Bonsoir. Tout récemment, j'ai évoqué le sujet du Conseil mondial de la diaspora algérienne. Eh bien, ce conseil que dirige M. Karim Zeribi interdit de toute activité politique en France pour une durée de 5 ans, puisqu'il a été condamné par la justice française, est privé de ses droits civiques et civils par la justice française. Ce monsieur, eh bien, il s'est souvenu qu'il a des origines algériennes, alors qu'auparavant, il n'en a jamais parlé. Maintenant, ce monsieur s'est découvert des origines algériennes, ce qui est vrai, il a des origines, il est né de parents algériens. Voilà, ce Conseil mondial de la diaspora n'est ni plus ni moins qu'un instrument entre les mains de la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure que dirige un général criminel, le général-major de Bam. Cet instrument, et ça, ils le savent tous, puisque ils sont financés de moi, ils ne savent pas d'où ça vient cet argent. Ils savent très bien que ça vient des services secrets algériens. Et ce Conseil mondial de la diaspora, dont le lancement a été fait le 8 mars dernier à Paris, dans une grande salle, c'est vraiment. C'était fastueux ce qu'ils ont fait. Évidemment, c'était financé par les membres de ce conseil. Eh ben, c'est un financement occulte qui vient des officines algériennes. Le 27 avril, ces gens-là, eh bien, ils vont se retrouver en Algérie à 800. Ils sont 800 inscrits. Eh bien, ils vont se retrouver en Algérie, à Alger plus précisément, voyage, hébergement, restauration, le tout aux frais de la princesse, aux frais du contribuable algérien. Personne ne mettra un sou de sa poche. Ça, c'est garanti. Et maintenant, une chose, c'est qu'ils vont ajouter à ces 800 inscrits 200 à 300 participants locaux, des Algériens. Des Algériens, qu'est-ce qu'ils foutent dans un conseil de la diaspora? Qu'est-ce qu'ils ont à faire dans une organisation de la diaspora? Eh bien, il y a quelque chose. Il y a Anguille sous roche. Il y a Anguille sous roche. Maintenant que M. Karim Zeribi vient dire que ce conseil répond positivement aux multiples appels lancés par Tebboune à la diaspora pour participer au développement du pays, l'Algérie a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Elle n'a rien fait pour son développement parce qu'elle est dirigée par un pouvoir de voyous, par un régime de voyous, et ce ne sont pas ces gens qui sont complètement coupés de l'Algérie, qui du jour au lendemain se sont réveillés avec un sentiment patriotique pour servir l'Algérie, qui vont la sauver, qui vont participer à son développement. On connaît bien la musique. Cette diaspora, ce conseil de la diaspora qu'on nous présente comme un lobby algérien à l'étranger, il n'y a pas de lobbying en faveur d'un régime auxquels ne font confiance ni les États, ni les Algériens, ni les étrangers. Personne ne fait confiance au pouvoir algérien. C'est un pouvoir de voyous, c'est un régime de voyous. Donc, parler de lobbying, il n'y a pas de lobbying. Puis faire du lobbying pour amener des investisseurs, il n'y aura jamais d'investisseurs étrangers en Algérie pour la simple raison que personne n'a confiance en ce système. Un. Deuxièmement, en Algérie, celui qui veut investir doit payer des sous-tables, doit payer des pots de vin. L'Algérie est un pays où la corruption est reine. Pour preuve,
trois chefs de gouvernement, plus d'une soixantaine de ministres, une soixantaine de généraux, des hommes d'affaires, certes, en prison pour corruption. Le chef de l'État lui-même s'est corrompu et corrupteur. Il était corrompu par Kamel Chiri, dit Kamel Bouchi, quand il était ministre de l'Habitat. Son fils a fait de la prison parce que c'est lui qui servait d'intermédiaire entre son papa, le ministre de l'Habitat, et Kamel Chiri en tant que promoteur immobilier. Donc, dans un pays où la corruption est reine, il n'y a pas d'investisseurs qui vont venir. Personne ne viendra faire investir. Maintenant, ces gens, s'ils viennent, je ne pense pas qu'ils vont mettre un sou de leur poche pour question toute simple. En Algérie, vous avez deux circuits de change. Si vous voulez investir de manière officielle, votre argent doit arriver par le biais des banques. Si l'argent parvient par le canal des banques, vous allez perdre énormément. Parce que si sur le marché parallèle, si à la banque, pour 100 euros, vous avez 25 000 dinars sur le marché parallèle, à la banque, pour 100 euros, vous avez 1 800 ou 1 500 dinars. Beaucoup moins. Donc, vous êtes perdant dans l'affaire. Donc, personne ne s'aventure à changer son argent dans les banques. On passe tous par le canal. Du marché parallèle. Et si on passe par le marché parallèle, on ne peut pas investir, on ne peut pas bénéficier, hein, entre guillemets, des facilités qu'accorde le gouvernement. Donc, s'il y a investissement, il faut que ce soit des prêts bancaires algériens à ces gens qui comptent investir en Algérie. Bon, un médecin qui veut construire une clinique en Algérie, eh bien, il demande un prêt bancaire algérien. Mais le prêt bancaire, on ne le donne pas à quelqu'un qui arrive de France sans avoir de garantie et il prend. Mais quand il y a intervention par derrière, et l'intervention, elle n'est pas gratuite, donc on peut bénéficier de plus d'un prêt. Deux, trois prêts, combien du temps on peut. Mais il y a derrière quelqu'un qui va toucher ces dividendes, ce qui est tout à fait logique. Voilà. Donc, cette histoire de Conseil mondial de la diaspora, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Ni plus, ni moins. Le jour où l'Algérie aura un État respectable, des hommes intègres, à la tête de cet État, oui, on peut parler de lobbying, on peut parler d'investissement étranger, on peut parler de tout ça. Et si les membres de ce Conseil mondial de la diaspora algérienne, s'ils sont réellement sincères, ils sont réellement, bon, je ne vais pas dire patriotes, on ne peut pas être patriote comme ça du jour au lendemain, s'ils sont sincères envers l'Algérie, tout simplement. Ben, qu'ils aident le peuple algérien à se débarrasser de ce régime pourri, corrompu, criminel. Parce que eux, ils ont pas mal d'entrées et de relations au niveau français, au niveau européen, et il faudrait qu'ils fassent du lobbying en faveur du peuple algérien pour que ce régime pourri soit lâché par l'Union européenne, par les investisseurs européens, par les cercles politiques européens. Là, on peut dire que ces gens sont réellement sincères avec l'Algérie. Sinon, qu'ils aient raconté leurs histoires ailleurs. Voilà.